Oh, elle fait mal, hein. Ah là, ça y est. Pourquoi tu vides ? Même plus ? Salut à tous, c'est Sam Kibo et j'espère que vous allez passer un bon moment. Aujourd'hui les amis, on se retrouve sur Call of Duty Vanguard. Depuis jeudi, le multijoueur de Vanguard est en accès gratuit et ça jusqu'au 22 novembre. Donc si vous n'avez pas encore acheté le jeu et que vous hésitez encore un petit peu, n'hésitez pas à le tester et à faire votre propre avis. En plus de ça, pour cette occasion, Sledgehammer Games en a profité pour mettre du double XP partout, donc pour les armes, les opérateurs, etc. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'ils ont mis le mode Ship House 24 sur 24. Ça regroupe tout simplement la map Shipment et Das Host. Donc je pense qu'il n'y a pas meilleure condition actuellement pour XP sur Vanguard. Du coup j'en profite et j'essaie d'augmenter le plus d'armes possible et notamment la SVT-40 qui est un fusil tactique vraiment vraiment intéressant. Bon c'est sûr au début j'ai eu un petit peu de mal le temps de s'adapter à la cadence de tir, au recul etc. Mais vous allez voir dans le gameplay que plus ça avance et plus je m'en sors. En plus ça permet vraiment de changer des AR, des PM etc. Voici la classe que je vous conseille pour l'instant. Mon arme n'est que niveau 61 mais les accessoires qui sont là sont vraiment bonnes, notamment la lunette ici, la lunette x 1,35. Ensuite on a sans oublier évidemment la compétence vitale hein, qui permet d'augmenter la zone critique des dégâts. Après voilà, poignée en tissu, la petite poignée qu'on a mis c'est celle-ci, donc ça permet d'être un peu plus stable. Je vais pas essayer de prononcer ça parce que ça va être impossible. Pour faire simple, c'est une sorte de SKS, donc j'ai vraiment hâte de la tester en Warzone. Les amis, maintenant je vous laisse avec un petit gameplay sur la map Shipment et Das Host. Moi aussi j'en ai profité. Sur ce, c'est parti. Du coup Prestige 3 c'est max. Bah je savais même pas qu'il y avait 3, moi je jouais 1, 2, bah je viens de passer 1 moi il y a pas longtemps, genre hier ou tout à l'heure là. Bah je savais pour 3 mais... Ah merde je shoot. J'ai pris A. Ok, bah là faut les écraser maintenant. Prendre B. Ouais. Oh non mec, il y avait 3 mecs à la lignée, j'ai tiré dedans, j'ai eu qu'un seul. Oh le shoot, ouais tu le mérites. Merde. Là je mérite. Là je mérite. Ok déjà un niveau. What bang. J'ai recassé les couilles hein. Il y a mec sur B là. Non, enfin il essaye de passer sur la droite de A. Du coup moi je les empêche à chaque fois. Ah parce que sur B je vois personne qui vient donc Ah ils arrivent pas à avancer le tour. Ouais, personne veut prendre B hein. Merde le shoot. Mais allez j'avoue qu'elle est juste siffleur main. J'ai hâte de le tester ça en Warzone. Oh mec si tu veux me mettre. Oh l'arme est trop bonne. Aïe. Oh, mec. Ah c'est fou. Surtout ça doit changer d'arme un peu parce que genre en air ou snipe. Ah de ouf. Bah je voulais commencer par un fusil tactique mais j'avais commencé avec la M1 40. Bah moi la M1 ouais pareil ouais. J'ai pas du tout apprécié hein. J'ai passé ah ouais un mauvais moi moment. J'avais un bon kit genre. Bah après j'ai arrêté parce qu'il y avait le snipe. Pourtant elle était montée hein, elle était niveau 20 parce que je l'avais joué déjà sur le Warzone. Mais j'ai pas du tout apprécié. Là la SVT, tu la commences, bon elle est un petit peu galère. Mais là elle est niveau 20, bientôt 30. Faut débloquer un canon quoi sur ces armes là. Ouais canon, une petite poignée et ça va, ça le fait là. Ah j'essaie de quickscope comme snipe et tout, c'est bon. Thank you.
me tue quelqu'un avec ma part. Je suis Chuck Norris. Allez, alignez-vous les gars. Alignez-vous. Ah le chute. Souris. Oh putain. Et bien sûr furieux, j'ai fait une quad d'après eux. Bon broc mais... Enchaînement de 5, de 4. Ah dommage. Ah j'ai repris B. Bien joué. Seul, vraiment grand. Et reprenne B. Ouais, je suis tout seul. Bon allez hop, ça dégage. Ah vas-y, je recharge. Derrière toi je crois. Ah la grenade. Ah, là, c'est... Je vais pas trop les pousser sur C parce que... Oh ouais, laisse les un peu spawn. Ah, sur A y'a un mec. Faire à travers. Oh, je lui ai mise. Mec, j'ai spawn sur C, sur eux, enfin juste à côté d'eux. Quand ça fait ça, c'est une aubaine. Ouais. Faut profiter. Ah, je t'ai eu toi aussi. Non! Putain, des fois ça fait un petit marqueur et c'est le marqueur qu'il faut pas quoi. A droite y'a un mec, fais gaffe. Je vais para. Tu te dis qu'il y a des mecs partout, tu viens de croire? Non. C'est faux. T'exagères, tu fais ton Marseillais là. Non, on me l'a volé. Ah, ça recharge! Ah putain, imagine ouais, avec la tout vitale, ça doit être un truc de ouf. Et avec du shoot quoi, aussi. Vitale déjà. La zone critique est large. Ah oui. C'est-à-dire tu fais comme des dégâts dans la tête, mais c'est pas dans la tête. Je pense qu'il faut que je change de viseur. Il faut que je débloque un viseur avec un petit zoom. Parce que. Bon, déjà j'avais un viseur tout à l'heure assez gros, avec un réticule assez gros, c'était pas bon. Et là, mon réticule ça va, mais. Mais ils zooment pas assez quoi. Y'a pas le même que le car le viseur là, c'est le premier là. Je sais pas du tout. Parce que le car, je joue avec le premier viseur, il est incroyable. Hein. Ils sont dans un trou. Ah ouais, ils sont vraiment serrés là-bas là. Ouais. Bon bah putain, bonne game. Là j'aime bien, j'ai la SVT, j'ai le minimum de ce qu'il faut pour s'amuser avec. Allez, voyons voir ce petit retour sur Das Haus. Voyons voir à quoi ça ressemble sur cette map. La petite SVT. Je peux pas venir là. Alors, bah ils sont où les mecs? On a pris la tête. Bah ils sont où? Ah ils ont fait le tour à gauche non? Ah merde, on les voit pas. Enfin, les premiers je les ai ratés, hein, ça c'est une évidence. Mais là sur la fin je voyais pas les mecs au fond, je voyais que leur nom. Comme là un peu. Bah alors. Bah alors. Bah alors. La quad feed. Wouh. La quad feed mec. Mais mec, double quad feed avec cette arme. Mais c'est validé. Mais c'est validé. Mais qu'est-ce que je viens de voir? Pardon. Attends, j'aimerais bien envoyer mon petit bombardement là. Ça serait cool. Oh mec, qu'est-ce que je viens de mettre? Non, je suis prêt. Vas-y, mon bombardement là. Ah, j'appelle, mais je suis sur répondeur. Merde, je suis mort. Mais qui suis-je? Où vais-je? Oh là 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 là, mec. Mais c'est un carnage. C'est un carnage. Mais arrêtez-moi.
triple élimination encore. Vas-y. Adas hausse là. Depuis qu'ils ont patch les pompes. Attends, ils sont où? Allez, hop. Ça arrive ou pas là? Mais c'est un massacre, mec. C'est vraiment un massacre. Ah, ça change des fusils d'assaut, tout ça, hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, c'est mon bordement, j'avais pas compris. Merde, ok, ça sera pas marqué dans le rapport. Ils sont où? Vous êtes où, les gars? Oh, les pauvres. Oh, les pauvres. En fait, ils arrivent pas à spawn. Oh là 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 là. Ah, les pauvres, ils arrivaient plus à spawn. Bon, bah, c'était court mais intense. On a vu que la SVT. Putain, les sensations. Incroyable. Il faut attendre un petit peu. Vraiment pour débloquer quelques accessoires. Et après, les sensations sont incroyables. Vraiment. Ça, c'est une arme fun à jouer. Bon, elle est très efficace, je vous l'accorde. Mais c'est très fun à jouer, tu vois. Contrairement aux pompes là, les PM, les AR, tout ça, non, tu te concentres un peu, tu choisis une arme qui te donne des bons trucs, t'as un bon feeling avec, tu essayes ça, voilà, ça part, niveau 37, pour l'instant on l'a équipé comme ça, et a fait le travail hein. Et merci à Activision de nous accorder du double XP d'armes, de je sais pas quoi, sûrement opérateur, tout ça. Donc, et sans oublier aussi la playlist Ship House. Merci beaucoup les gars, vous faites du bon travail.